Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter une histoire que j'ai trouvée sur Reddit, mais il me semble que c'est plus une creepypasta plutôt qu'un témoignage réel de personnes qu'on peut trouver comme dans les threads Reddit. Dans cette vidéo il n'y aura qu'une histoire, il n'y en a qu'une parce qu'elle est un peu longue et vraiment elle est assez prenante et je voulais pas saccager, si on peut dire ça comme ça, entre guillemets, l'histoire en ajoutant d'autres. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, il y aura une histoire. Je vais faire en sorte de rendre l'histoire assez immersive. Je vais faire du mieux que je peux. J'espère que cette histoire vous plaira. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur mes autres réseaux sociaux, notamment Insta. Je me suis mis aussi récemment à TikTok, où je poste des petits extraits, etc. Je compte à l'avenir aussi faire des formats très courts dédiés uniquement à TikTok. Donc voilà, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. J'espère que vous êtes bien installés. On est parti pour se plonger dans cette histoire bien mystérieuse. Cette histoire m'est arrivée il y a une décennie, quelque part dans le nord du Michigan durant l'été. Mon amie Cathy, 18 ans, la demi-sœur de mon petit ami May, qui avait 16 ans, et moi-même, à 17 ans, nous conduisions de notre ville pour rendre visite à des amis. Alors qu'on était en train de rentrer chez nous, dans la voiture assez vieille de Cathy, nous avions eu plusieurs problèmes. La voiture qui était vieille, parfois s'arrêtait toute seule, parfois n'arrivait pas à redémarrer. Donc plusieurs fois, nous nous sommes retrouvés arrêtés au milieu de la route. Il était minuit passé, et ça faisait une heure qu'on était en train de conduire, et il nous restait une heure pour rentrer chez nous. Il n'y avait personne sur la route, simplement des bois sur les côtés. Aucun lampadaire, pas la lune. On ne voyait pas très bien la route. J'avais un problème oculaire, qui faisait que je ne voyais pas très bien. Je ne voyais pas de mon œil gauche. J'avais vraiment une vision terrible, et en plus de ça, j'avais également des problèmes de vue avec mon œil droit. Ma perception était très mauvaise. Je ne voyais pas au-delà de quelques mètres devant moi. Mais bon, généralement, j'arrivais à m'en sortir avec les lumières ou quand les gens passaient suffisamment près de moi. Je m'étais habitué à cette condition. On était en train d'avancer tranquillement sur la route, à notre rythme, et on a descendu une petite colline. Là, la voiture a fait un son assez étrange. Cathy disait que tout allait bien, mais une fois qu'on a descendu la colline, la voiture s'est arrêtée. Cathy et moi, nous sommes sortis de la voiture et on a relevé le capot. Et quand on l'a relevé, de la fumée est sortie de la voiture. Une fois que la fumée est sortie, Cathy a essayé de voir qu'est-ce qui n'allait pas. On était là, dans la pénombre, pendant à peu près 45 minutes, ou peut-être plus, avant qu'on réalise qu'on ne pouvait pas réparer la voiture, et qu'on devait appeler un dépanneur. C'était une époque où il n'y avait pas forcément de smartphone, donc on ne pouvait pas utiliser une application, ou regarder le plan sur notre téléphone. N'ayant aucune application, ni de connexion internet, je ne pouvais pas appeler une dépanneuse. J'ai donc décidé d'appeler mon petit ami, Caleb, pour qu'il vienne nous chercher et je lui ai demandé de venir avec une remorque, pour pouvoir récupérer la voiture quand il faisait jour. May et Cathy étaient d'accord avec ça, sauf qu'en sortant mon téléphone, je me suis rendu compte d'une chose, il n'y avait pas de réseau. Je demande à May ou à Cathy si l'une d'entre elles a du réseau. Elles vérifient, mais malheureusement, elles n'en ont pas. May était un peu paniquée. Toutes les trois, nous tenions nos téléphones. On essayait d'obtenir un signal, en vain. La situation était assez désastreuse. Et après s'être rendu compte qu'on n'arriverait pas à avoir du réseau, on était toutes effrayées, assez mal à l'aise. May nous suppliait de faire quelque chose. C'était celle qui avait le plus peur. Cathy a essayé de la calmer. Et je me suis demandé si les bois dans lesquels nous nous trouvions bloquaient la réception du signal. J'ai dit à May et à Cathy d'attendre près de la voiture, pendant que moi je m'éloignais, pour retourner en haut de la colline afin de retrouver un petit peu de signal et pouvoir contacter mon petit ami. Une fois en haut, je me suis rendu compte qu'il n'y avait toujours pas de signal. Je suis allé plus loin. Je ne comptais pas m'arrêter jusqu'à ce que j'aie du signal. De là où j'étais, je ne voyais plus la voiture, mais j'entendais toujours May à distance. N'ayant toujours pas de signal, je me dis que les arbres continuent de bloquer la réception. J'ai décidé de grimper à un arbre pour essayer de capter le moindre signal et d'appeler à partir de là. J'étais un petit peu stupide à l'époque, donc je pensais que ça pourrait marcher. Je me suis donc promené dans les bois, à la recherche d'un arbre auquel je pourrais grimper. À ce moment-là, je ne pensais à rien. Je voulais juste rentrer chez moi. C'était la seule chose qui me préoccupait. J'ai trouvé un arbre, avec des branches basses, qui me permettait de l'escalader. À mi-hauteur de l'arbre, j'ai senti que mon paquet de cigarettes était tombé. J'étais un peu énervé, mais je me suis dit que je le reprendrais quand je redescendrais de l'arbre. Une fois près du sommet, j'ai sorti mon téléphone. Et là, victoire. J'avais du réseau. Soulagé, j'ai appelé Caleb, mais il n'a pas décroché. J'ai rappelé sans cesse jusqu'à ce qu'il le réponde.
À un moment donné, il m'a répondu. Il avait une voix endormie et énervée. Mais je m'en fichais un petit peu. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a demandé où nous étions. Je lui ai donné le nom de la route. Et il a dit qu'il allait passer, qu'il se mettait en route. Et il m'a suggéré de retourner avec Maïkati. Après ça, il m'a crié dessus en disant que j'étais stupide d'avoir grimpé à un arbre, dans le noir. En plus de ça, avec mon problème de vue. Mais je lui ai assuré que j'allais bien. Il était assez sceptique, mais il m'a dit d'accord et nous avons accroché. J'ai commencé à descendre de l'arbre après ça. Ma main a touché une sorte de boule de sève. Alors je me suis arrêté et j'ai essuyé la main collante sur ma chemise. J'étais déjà en sueur, dégoûtante, donc je n'étais pas très contente d'ajouter à tout cela de la sève. Je n'arrivais pas à m'enlever cette saleté des mains. En plus de ça, j'entendais un son, juste en dessous de moi. Je me suis figé complètement. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'était ce son, mais ça bougeait assez vite. J'essayais de voir dans l'obscurité, en dessous, mais je ne voyais rien. J'entendais ce bruit se rapprocher de plus en plus, et je l'entends au niveau de mon arbre. Et puis d'un coup, ça s'est arrêté. Je tenais les branches aussi fortement que possible, et j'attendais. J'entends les feuilles qui s'agitent, les brindilles qui claquent. Et au bout d'un moment, encore une fois le silence. Et au bout d'un moment, le bruit a repris. Mais cette fois-ci, il s'éloignait. Il repartait dans la profondeur des bois. J'ai attendu de ne plus entendre ce son pour redescendre. Une fois que la zone était complètement silencieuse, là je suis descendu. J'ai cherché mes cigarettes par terre mais je ne les ai pas trouvées. Donc j'ai abandonné l'idée de les retrouver. Je suis sorti du bois et je suis retourné vers la route. J'ai couru en bas de la colline pour retrouver mes amis. Et quand je suis arrivé en bas, j'ai remarqué que May et Cathy ne se tenaient plus à l'extérieur de la voiture et que les feux de détresse étaient éteints. Une fois arrivé à la voiture, May a baissé un peu la vitre et a murmuré d'une voix paniquée. « Elisabeth, où diable étais-tu ?» J'ai pointé par-dessus mon épaule la colline et j'ai commencé à expliquer que j'avais appelé son frère. Mais Cathy a crié « Qu'est-ce que tu fais? Viens dans la voiture, vite !» Je leur ai lancé un regard bizarre. May a déverrouillé la portière, elle l'a ouverte et je suis allé sur le siège arrière avec elle. Rapidement, après que je sois rentré, elle a refermé la voiture. Une des fenêtres était cassée, elle n'était pas complètement fermée. Mais l'espace qui restait était très réduit, on pouvait à peine y passer les doigts. Donc ce n'était pas trop grave. May paniquait à ce sujet et Cathy a aussi perdu son sang-froid. Moi j'étais encore confuse, j'ai demandé pourquoi elles étaient aussi agitées. Et May m'a dit que peu de temps après que je parte pour la colline, une personne bizarre est sortie des bois. Elle courait vraiment bizarrement. Elle courait vers le haut de la colline, la direction dans laquelle je me trouvais. Les filles ont paniqué et ont éteint les lumières et sont montées dans la voiture. Elles pensaient que cet individu m'avait attrapé. Honnêtement, quand elles m'ont dit ça, j'ai eu très peur, parce que si je ne m'étais pas arrêté pour essuyer la sève de mes mains, je serais probablement descendu de l'arbre au moment où j'ai entendu le bruit étrange. Ce que je savais maintenant, c'est que ce son, c'était cette personne. J'ai raconté mon histoire aux filles, et tout le monde dans la voiture était effrayé. Mais d'un côté, soulagé également, que Caleb soit en route. Maintenant, nous n'avions plus qu'à attendre. On était assis là, dans la voiture, sur la route, pendant ce qui nous semblait être une éternité. La peur que nous ressentions donnait l'impression que le temps passait plus lentement que d'habitude. Cathy et May regardaient par les fenêtres, elles surveillaient la zone, et moi j'étais assise là, en espérant que Caleb arrive rapidement. Soudain, j'ai entendu May gémir. Elle a dit « Oh mon Dieu !» et elle a commencé à pleurer. Cathy a tourné la tête vers May et a soupiré. J'ai placé également mon regard dans la direction où elle regardait, mais je ne voyais rien, à part le noir. Je peux presque distinguer la silhouette d'un homme, grand et maigre. Et puis, il a appuyé son visage contre la fenêtre de May. Et là, enfin, je le vois. Personne ne crie. Peut-être qu'on aurait dû. Mais ça ne s'est pas produit. Nous nous sommes juste tous regardés. Il nous regarde pendant un moment jusqu'à ce que Cathy allume ses lumières, en espérant que cela l'effraierait. Mais ça n'a rien fait. Le mec a juste marché jusqu'à l'avant de la voiture, et il s'est tenu devant les phares. Peut-être pensait-il pouvoir nous empêcher de partir? Je ne sais pas. Je n'arrivais pas à bien distinguer ses traits. Mais le gars semblait être assez grand. Il n'avait pas plus de 20 ans. Il avait un visage normal, rien de spécial. Rien de vraiment sinistre ou de particulièrement effrayant qu'on remarquerait à son sujet si jamais on le rencontre en plein jour. Ses cheveux étaient rasés, foncés, une peau pâle. May a dit qu'il avait des yeux clairs et une barbe de 3 jours, avec des sourcils qui lui donnaient l'air d'être toujours inquiet. Mais il n'y avait aucun moyen que je puisse le discerner, donc je devais la croire sur parole. Ce qui était vraiment bizarre, c'est qu'il faisait assez chaud. Et cet homme-là portait des habits d'hiver. Et c'est ça en fait qui faisait un bruit étrange. C'était les froissements de ses vêtements. Il avait un pull très grand, avec des manches anormalement longues. Les manches passaient sur ses mains et s'enroulaient d'avant en arrière,
alors qu'il faisait les 100 pas devant la voiture. Je ne sais pas combien de temps il est resté devant la voiture, mais ça faisait déjà un moment. Et d'un coup, cet homme a commencé à faire quelque chose de vraiment bizarre. Il plie ses bras vers son visage. Il ressemblait un peu à une mante religieuse, à cause de ses manches qui pendaient. Il a commencé à faire des cercles autour de la voiture, en faisant rythmiquement 2 pas en avant et 1 pas en arrière, comme s'il dansait. C'est là que j'ai entendu le même son que quand j'étais dans les bois. Encore une fois, j'avais la confirmation que c'était bien lui. Il faisait les 2 pas en avant, 1 pas en arrière quand il me poursuivait dans les bois. À ce moment-là, May sanglotait, et Cathy, elle, semblait avoir envie de vomir. Alors j'avais l'impression que c'était moi, la plus courageuse, et que je devais le rester. J'ai regardé le léger espace dans la fenêtre ouverte, et quand il s'est mis à côté, j'ai dit « Hé mec, tu peux juste arrêter, tu nous fais vraiment flipper. » Et l'homme m'a entendu. Il s'est arrêté et a regardé la voiture, à travers le pare-brise, directement vers moi. Je lui ai demandé très fermement de partir. Et il a fait une longue pause dans sa danse. Il a souri. Et cet homme s'est ensuite frayé un chemin hors de mon champ de vision dans l'obscurité. Au bout d'un moment, Cathy a dit que l'homme avait disparu dans les bois. Et May a dit « Je n'arrive pas à croire que ça ait marché. » Tous ensemble, nous avons rigolé de la situation, qui était très bizarre. On était heureux que l'homme soit parti. Et peu importe où il était allé, nous sommes retournés à notre attente de Caleb. Un peu rassuré, certes, mais toujours paranoïaque. Mais au bout d'un certain temps, Cathy a dit « Oh non, il est de retour. » Moi, je n'arrivais pas à le voir. Mais apparemment, il reprenait sa danse, parallèlement à nous sur le bord de la route. Sauf que cette fois-ci, il avait une grosse branche d'arbre qu'il tenait avec ses mains. May a de nouveau eu peur. Et je lui ai tenu la main pour qu'elle se sente mieux. Même si intérieurement, j'étais tétanisé. C'était horrible. Parce que je ne savais pas s'il venait vers nous ou s'il s'éloignait. C'était difficile à dire. La situation, c'était comme regarder un film d'horreur. On sait qu'il va y avoir quelque chose qui nous fait peur, mais on ne sait pas précisément à quel moment. Et c'est là que, au son, j'ai entendu que l'homme revenait vers la voiture. Et sur la fenêtre à côté de moi, il a tapé avec sa branche d'arbre. May et moi, nous paniquions. Je me suis rapproché d'elle, autant que possible. Et là, le mec retourne dans les bois. Puis il revient en courant, claquer la branche contre ma fenêtre. C'est comme s'il jouait. Heureusement, la fenêtre ne se cassait pas. Mais c'est devenu terrifiant d'entendre ces bruits de pas. Il faisait ça de manière répétitive. Cathy s'est redressée sur son siège et a commencé à pointer vers la route devant elle. « Je vois des phares !» Elle klaxonne et fait des appels de phares. C'était Caleb, notre sauveur. Avec lui, il avait amené son frère aîné, Alex. Ensemble, ils sont sortis de leur voiture et ils se sont précipités vers nous. Les sanglots de May se sont transformés en rires joyeux, alors que ses frères approchaient. Caleb et Alex sont des personnes qui sont assez grandes. Se promener avec eux, c'était comme se promener avec des géants. On se sentait toujours en sécurité. C'est là que j'ai pensé que 2 mecs plus grands que l'individu qui nous faisait peur le feraient partir. Mais non. Caleb a commencé à marcher vers l'individu qui était là. Il essayait d'évaluer la situation. Alex, lui, est venu à la voiture, a tapé sur la fenêtre et a dit à Cathy de sortir. Elle l'a fait, et il l'a accompagné jusqu'à sa voiture. Ensuite, il revient. Il met la voiture au point mort pour qu'il puisse la pousser sur le côté de la route. May et moi sortons lentement. J'ai aidé Alex à pousser la voiture sur le côté, pendant que Caleb, lui, était en train de distraire l'individu terrifiant. Il tenait le bout de son bâton et il l'insultait. À un moment donné, l'homme en habit d'hiver a arraché la branche de Caleb et il a commencé à reculer en faisant 2 pas en arrière et 1 pas en avant avant de disparaître dans l'obscurité. Je ne pouvais pas le voir mais Caleb lui le pouvait. Le mec a reculé assez loin et ensuite il a commencé à se précipiter sur Caleb. Caleb a sprinté dans l'autre sens de la route car ce bâton aurait pu vraiment le blesser s'il se l'était pris. Il a croisé Alex, au niveau de la voiture qui ne roulait plus. Et on dirait que l'homme dangereux a changé de direction. Et il pointait cette fois-ci le bâton sur moi. Mais je n'arrivais pas vraiment à le voir. J'entendais juste tout le monde crier mon nom. J'ai été surprise. J'ai sauté sur le côté de la voiture endommagée. Et j'ai entendu l'homme avec son bâton écraser son arme dans la vitre arrière, dans un bruit sourd. J'ai fait un long chemin autour de la voiture. Et je me suis précipité sur la route. J'ai senti Caleb m'attraper le bras et me tirer par-dessus la voiture d'Alex. J'ai l'impression que mes jambes ne fonctionnent plus, mais Caleb réussit à me pousser sur le siège arrière et se précipite du côté passager. À présent, nous sommes tous en sécurité dans la voiture, et l'homme dangereux se tient à nouveau, comme une mante religieuse devant les phares. Il n'avait plus son bâton dans les mains, mais il restait planté là, devant, sans bouger. Alex met la voiture en marche arrière, il appuie sur l'accélérateur, me faisant me cogner la tête contre la portière. Puis il fait demi-tour, un demi-tour rapide. Tout le monde était aux aguets alors que la voiture, elle, s'éloignait. Alex roulait très vite, au-delà de la limite autorisée.
May et Cathy jurent avoir vu l'homme dangereux courir derrière nous après qu'Alex ait fait demi-tour. Mais une fois dans une voiture qui marche, il n'y avait aucun moyen pour lui de nous rattraper. Le lendemain, nous sommes retournés sur les lieux avec Caleb, Cathy et un dépanneur. Sur place, plus aucun signe de l'homme qu'on avait rencontré. Mais lorsque nous nous sommes approchés du véhicule accidenté, nous avons vu que dans l'espace où la fenêtre ne se fermait pas complètement, se trouvaient mes cigarettes. La boîte manquait, mais elles étaient toutes soigneusement alignées le long de la fenêtre. Sans aucun doute, c'était l'œuvre de la personne qu'on avait rencontrée. Depuis ce jour, je me demande si cet homme savait que j'étais en haut de l'arbre. Est-ce que il pensait que j'avais lâché mes cigarettes et que je m'étais caché plus loin dans la forêt? Ou s'il les avait juste trouvées plus tard et avait décidé de les coller par la fenêtre parce que cet homme était bizarre? Je me demande encore quelles étaient ses intentions. Et encore aujourd'hui, j'ai tellement de questions sans réponse. Les amis, on en a fini pour cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Smiling Man, ça se ressemble assez. Sauf que là, on va dire que c'est le Smiling Man de la forêt. Alors que le Smiling Man, lui, c'était plus en ville, il me semble. C'est une histoire qui pourrait réellement arriver, avoir affaire à un fou comme ça. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Selon vous, est-ce une histoire en soi réelle ou est-ce une histoire plutôt fictive? En vrai, ça pourrait être une histoire réelle. Du coup, j'ai des doutes maintenant. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment devant la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!